C'est Captain Sigette. Par contre, avec lui, on se retrouve aujourd'hui pour. Faudrait que j'arrête de dire yo-yo à tous parce que ça commence à. Ça me commence à me gaver. Ça commence à me gaver en fait. Plan perso, à part, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de The Escapist où je compte faire plus de jours. Donc aujourd'hui, le plan, ça va être de commencer à creuser derrière mon mur. Sauf que première étape, il faut. Ça sert à rien que je sais, c'est ma souris. Il me faut de quoi faire. Il me faut une affiche. Il me manque justement un magazine que je vais combiner avec un scotch. Il faut éventuellement que je vais plus en des gens pour me faire le sac de contrebande. Qui, ne nous mentons pas, va s'avérer très utile. Je commence à un petit peu vider mon bureau. Normalement, j'ai pas d'autre contrebande. Il faut que je devienne plus intelligent histoire de pouvoir me faire tout ce qui va me rester à faire en fait. Donc à savoir me faire une armure, me faire un sac de contrebande et notamment me faire le fouet. À quelle arme la plus pétée du jeu? Parce que je suis à 41 d'intelligence, il me faut 29 de plus je crois. Donc 70, donc je vais tenter de bourrer l'intelligence dans les 2 jours qui vont faire cet épisode. Mathieu Hunter, j'ai pas été fouillé depuis le début en fait. Il faut aussi que j'augmente ma force par extension. Parce que être collé à moins de 20 PV, ça va être chaud à force. La bouffe de la cantine va être rationnée. Eh merde. Déjà que c'était pas terrible. Franchement. Et ça va les gardes ce matin, ils sont vénères. Donc normalement je m'appelle toujours Juan, donc je devrais pas être fouillé. Manquerait, par contre j'aimerais éviter de perdre mes plaques métalliques. Parce que manquerait plus qu'il y ait un flic qui vienne dans ma cellule comme par hasard pour X ou Y raison et qu'il tire ma chasse d'eau en se disant bah, il y a trop de PQ là-dedans. Super coach, je veux le briser. Il y a quoi comme quête? Faut que je trouve un trombone, faut que je vole un livre à Daniel et un autre à l'officier Whitney. L'officier Whitney, c'est lui. Il a 56 de force, donc ça va être chaud. Je suis à 37. Et super cool, c'est pas un de ceux que j'ai. Donc, prochain monstre, j'aurais pu dire moment. J'ai cru que j'avais dit moment mousse pendant une seconde. Ça me dirait douche mousse. Distrégard, j'ai une cellule à foutre en l'air, j'en sais rien. Est-ce qu'on est potes, Jacob? On est un petit peu potes, donc je peux peut-être faire le taf. Daniel, jugez bon, je vais pas le taper, non, super cool, j'en sais rien. De toute façon, je crois, on s'aime pas avec Steve et on ne s'aime pas avec Daniel, encore moins avec Daniel d'ailleurs. Tort de portée pourtant. J'adore, vous êtes hors de portée. Ah oui, c'est vrai, il faut que je tabasse celui qui est chargé de la menuiserie. C'est pas William, Lavrie. Non, mais c'est qui le menuisier ici? J'ai déjà oublié qui c'était. C'est Elijah. Bah, du coup, je vais quand même faire mon taf parce que. Bon, que je sois payé quand même. Et alors, où il est Elijah? Enfin, tout court, où est la menuiserie en fait? C'est ça la question. Je suis aussi une victime de la société. Mathieu. Je sais pas pourquoi, je pense que je vais pas y arriver. On avait eu assez. Ah, faudra vraiment que je trouve la menuiserie par contre. Lors de l'appel, je vais essayer de voir par où il vient, Elijah.
Parce que je pense que c'est. Non, je pense plutôt qu'elle est en bas la menuiserie. À l'opposé de la ferraillerie. Il faut aussi que je taxe encore plus de fourchettes en fait. Par contre, un truc que je me suis demandé, est-ce qu'il remarque quand un mur, est-ce qu'il remarque qu'un mur est pété ou pas? Je vais me faire virer. Bon allez, ressort ton incompétence évidente, tes incapacités de te destituer. Bon, de toute façon, putain, mais la tâche a été juste là. Donc Craig. John, Lee Hunter, Bradford, Stepway, Sam, Raphaël. Et déjà, il est venu d'en bas, donc la ferraillerie est en bas. Clark Kelly, mais je suis vraiment pas fouillé. Donc super cool, non. Non. Mon objet magazine pour que j'ai survécu à mes affaires. Il a pas fait donc je vais réexplorer mon objet. Witness, et il est déjà sur ma kill list donc va falloir apprendre à vous calmer les mecs. Après, si je peux faire une tasse de chocolat chaud, c'est pas un souci. Tu cherches. Donc, nous à la bibliothèque. Je tabasse à fond l'intelligence. Je reprends au dîner. Je récupère l'énergie au dîner. Je suis en train de spammer ma souris là, la pauvre. Plutôt que spammer mon clavier et que ça sera plus rapide. Sachant que je gagne un point par lecture. Va vraiment falloir que j'augmente la force parce que là ça va pas le faire. Attendez, je finis de lire Voltaire, il arrive. Je n'ai jamais lu de Voltaire si vous voulez savoir. Dans perso, je trouve la philosophie chiante, mais c'est peut-être parce que j'ai eu un prof nul en philo. Peut-être pas nul, mais faut le cerner, quoi. Alors, allons bouffer. Trop de faveur. Faut que je fasse une diversion au moment de douche, c'est vrai. Je suis à 61 d'intelligence. Putain, c'est pas mal, je suis monté vite. J'étais à 41. En. Ce qui correspond à une heure dans le jeu, j'ai gagné 20 points, donc ça devrait le faire. Et donc il faut que je trouve de quoi faire une tasse de chocolat chaud, histoire que je déglingue l'officier Whitney, que je récupère le matos des gens. Faut aussi que je trouve toujours le putain de bouquet auprès de Daniel, donc fouiller son bureau, et que je trouve un trombone. Ah bah d'accord, ça se tape. Moi je profite. Hein. Je perds du temps, mais bon. Dégage, Jackson. De poulet, il a texté à la... il a texté au self quoi. Ouais,
suis au moins 20 PV pour l'instant, je suis bien. Ben, je suis redescendu à 19, génial. Parce que je suis à combien de force? Je suis qu'à 39. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Chaussée testée. C'était pour c'était pas un flic avant. Ah merde, il y en avait un là, j'ai pas vu. Attends, je me suis fait calmer par les trois en même temps. Bon, j'ai plus d'armes, c'est pas grave. Hop, c'est reparti. Donc normalement, c'est 22h l'appel. J'ai du temps. Par contre, un truc qu'il faudra que je pense à faire, ce sera, je pense à 20h30, partir commencer à fouiller ces cellules. Notamment trouver celle de Daniel en priorité. Et si j'ai le temps encore, aller taxer des fourchettes. Ça, je peux garder dans mon armoire sans souci. Ok, on va fouiller. Inoccupé, William, Steve, Daniel. En espérant qu'il était suffisamment con pour... non. Hélas, il n'a pas été suffisamment con. C'est un trombone que je cherche aussi. Donc fouillons des cellules, fouillons des cellules. Est-ce que je vais avoir besoin de quoi faire du chocolat chaud? Ouais, peut-être ces cellules, mais vous gueule. Faut du chocolat, une tasse. J'avais vu une tasse et je me sens compte de pas l'avoir prise. Et donc il me manque du chocolat. Sors de cette ultime, mais je suis en train de me les mettre à dos en fait. Je ne suis que le fruit de votre imagination, messieurs. Alors reprendre tout ce qui est contrebande. Fourchette, tu vas à ta place. Oups, non. Ok. J'ai toujours les plaques dans les toilettes. Donc il va falloir que je m'occupe de Whitney demain. Je devrais pouvoir me crafter la tasse. Que je trouve toujours en trombone. Et Daniel, va falloir que je lui tape dessus. Hein. Choc mis en intelligence. 75, j'ai de quoi faire un sac de contrebande. Normalement c'est ça. Yes, un gros sac de contrebande. Et il me faut trouver une affiche. Les recteurs souvent ont une fouille de cellules. Je vais être fouillé, je sais pas pourquoi. Ah non. Mais j'ai vraiment de la luck en fait. Je vais prendre un ruban adhésif pour me faire un bouc, pour me faire une armure. J'aurais peut-être dû aussi prendre le petit biche, mais bon. Est-ce que vous avez pas Whitney? Le bord de prochain moment d'où je peux vous distraire les cartes, je récompenserai. Ouais, one note. Faut suivre le règlement. Je suis le juge et le bourreau ici. C'est moi le grand Manitou ici. Quelqu'un a trafiqué le chapeau du directeur ici. Non, je sais pas, ils ont l'air démêlés ici. Aussi ici, j'allais dire aussi ici, mais non, c'est nul. Est-ce que j'ai de quoi crafter? Est-ce que putain, il faut le même niveau d'intelligence que pour
coup, on se repose. Avec, le bois, il faut que je garde pour. Oui, il faut que je garde pour faire. Pour faire un outil multifonction pour creuser. Il va falloir que je creuse là. Donc les plaques dans les toilettes, ils vont croire que c'est du PQ très luisant. Donc augmenter l'intelligence, remonter un petit peu la vitesse parce que je vais taper, parce que je peux taper fort mais taper lentement ça va pas me trop plaire. Je sais que c'est pas bien, mais bon, voilà. Ah oui, c'est vrai que la fiche n'est pas considérée comme illégale. C'est pratique, ça me bousille un truc d'illégal. Pour la bonne cause. Celui qui a envoyé des menaces au directeur, j'ai rien fait, monsieur. On a eu vent de rumeurs d'innovation. Bon, ok, les mecs, c'est qui la balance dans le groupe. On a recadré le dernier qui a défié. Je pense que c'est moi. On a l'air d'idiot. Il y en a un qui va avoir l'air con quand j'aurai, quand il se sera fait asperger de chocolat sur la tronche. Il faut que je chope Elijah. Faut que je force à se battre. Faut que je me le mette à dos pour et que je fasse et que je laisse se faire taper par les flics. Alors Elijah, Elijah, c'est lui Elijah. Je vais faire comme les brutes, je vais attendre la sortie. Voilà, c'est bon, je me suis mis à dos, va falloir maintenant que je cours. Help. Il y a le menuisier qui est devenu taré. Mais j'ai rien fait. Ah c'est bon, ils ont pris Elijah. Bon, au moins je vais pouvoir peut-être choper le boulot de menuisier. Bon, il a rien d'intéressant en plus. Je vais le foutre à poil, ça va le forcer à aller changer de tenue et ça va le mettre en retard. Je suis à 80. Je vais me laisser un peu de sécurité. Alors c'est fond. Je sais pas où est parti Lidja, il est peut-être déjà reparti bosser. Non, il va bosser là justement. Je sais pas si le fait d'être présent au travail ça le suffit à la... ça suffit à lui faire garder son poste. Donc je vais pouvoir tout me crafter maintenant. Et là ça va me libérer beaucoup de place dans mon inventaire. Des cendres. Vous l'employez pas dans le bon sens, monsieur. Ah non, c'est vrai que le bois j'avais gardé pour ça.
Alors, vite. Avant qu'il me traite de pervers. Et hop, matos. Le meilleur matos du monde, c'est fait. L'eau de Javel, je la garde si je dois me faire une... Une garde sans en avoir à chourer à quelqu'un. Hop. Hop. La plaque métallique. Il faut que je garde des plaques pour la pelle. Je prends le chocolat fondu avec moi. Et je me mets dans un coin. La ferme. Ok. Les heureux gagnants de la flûte d'aujourd'hui sont. Elijah et James. Elijah il se fait agresser, c'est lui qui prend, qui en prend plein la gueule. Oh les flics quoi. En fait ce qu'on vous dit quand on le dit. Je peux trop vous faire distribuer de mandales à coup de matraque. Hein. Alors cadré le dernier qu'on dévié, les deux derniers qu'on dévié. Qui va laver mes chaussures? Non merci, la terre c'est pas mon dessert favori. Du coup, ça je peux planquer, ça aussi. Je garde le sac de contrebande au cas où. C'est comment qu'on craft une pelle déjà? Déjà, il faut que je me fasse une pioche aussi. Donc, non, ça c'est pour la pioche légère, je suis con. Fragile, manche improvisée, donc c'est une lime et un bout de bois, une plaque métallique et du ruban adhésif. Donc il me faut trouver une lime, je vais avoir une source infinie de bois, surtout avec mon sac de contrebande, c'est pratique. Plaque métallique, j'en ai une en réserve du coup. Il me faut un pied de biche et du coup, il me faut deux limes, deux bouts de bois, deux rubans adhésifs, un pied de biche et un pied de biche. Tout ce qu'il faut. Et pour l'amélioration légère, il me faut une plaque métallique et du ruban des vifs. C'est ça m'a l'air très complexe cette histoire. Là, il est presque 22h, mon cerveau n'a pas besoin de retenir des recettes de craft aussi complexes. Mais le mec, vous me dites pas que vous avez pissé là quand même, parce que pas. Du coup, c'est Whitney que je dois descendre. Ouais, Whitney pour un magazine et un bouquin. Alors, Tasty. Orlando. Il n'y a aucun flic qui va par là, en fait, maintenant je me rends compte. Il patrouille plus dans la zone au-dessus, donc je vais aller voir. Ah, Whitney. Whitney, mon ami. Et de une, et de deux. Il y a la clé de l'entrée, mais je m'en fous. Voilà. Ah oui, 15%. Non, mais normalement, c'est 20, je crois, donc ça va. Mais il va falloir que je fasse gaffe au bois que je transporte. Il va falloir que je prenne 5 par 5 le bois. Est-ce qu'il me faut du bois? Il me semble qu'il me faut du bois. Pour la pioche, si je regarde l'amélioration, ouais, il va me falloir du coup 4 bois au total. Donc je résume, il va me falloir 4 bois, 6 rubans adhésifs, je crois, 2 limes et une autre plaque métallique. Si mon compte est bon, donc récupérer du ruban adhésif, je vais fouiller les bureaux tout à l'heure. Alors je vais très vite m'éloigner de la porte d'entrée parce qu'il semble que c'est là qu'il se met Whitney. Et du coup ça m'a libéré beaucoup de quêtes. Il me faut, il y a aussi une diversion au moment douche, ça va falloir que j'y aille à poil.
John envoie sa bande à l'extérieur sans prendre la famille. J'ai besoin de nettoyer le sol avec sa face. Quand tu penses quoi? Ça dépend, c'est qui, John? Oui, bon. Ah non, c'est un autre officier. Alors, on a Elijah qui a bugué. Il vient juste de me passer devant. Et c'est, il est même pas en parc qui sera habillé. Donc, dégage, James. Ah, on est au moment douche. Alors, vous permettez 2 secondes, je vais aller chercher une serviette. C'est qui me suit? C'est Whitney. Oh merde, oh merde. Ouais, il vient de faire une Michael Jackson, là, j'arrive. Voilà, j'attends que le flic s'en aille. Diversion du monde. Alors c'est pas contre toi Ronald, mais bon. Allez, salut. Oui, c'est bon, je vais le fringuer. Oh là là, il y a même plus. Il y a même plus de liberté pour. Même plus de liberté quoi dans ces prisons. Donc il faut que je trouve. Du coup j'avais des 6 rubans adhésifs. Il faut. Je vais commencer par l'appel donc. Donc il faut une lime, un bois, un ruban adhésif. Non, 2 rubans adhésifs du coup. Alors ne surtout pas me faire cramer par les flics parce que je me décide déjà assez miado. Ah oui, aller m'inscrire pour le bois. Ta femme m'a tout raconté. Oh, c'est bon. Le deuxième poste vacant, yes. J'ai validé votre candidature. Nickel, bon. Et bien, à partir du prochain épisode, puisque je ne ferai pas d'autres jours, on va pouvoir voler du bois. Note de fabrication, je pourrais filer à quelqu'un au pif. Non mais en fait c'est pas une note de fabrication, c'est le spoiler de Game of Thrones. T'as le mec qui fait ça avec un gros sourire. Non mais tiens, tu vas aimer. Oh putain, il y a beaucoup trop de flics là. Il y a trop de flics qui sont passés d'un coup là, j'ai pas du tout aimé. Mais y a vrai, mais ils ont pas de bon quoi. Mais c'est la cellule de personne, ça dérange en quoi que je la fouille? D'ailleurs, je vais pas me débarrasser de ce que j'avais maintenant, j'y pense. Allez, filez-moi du ruban adhésif et du bois, quoi. Ah, bah, un trombone, quoi, enfin. Tu vends pas ce qui m'intéresse, c'est con. Non mais je demande juste un rouleau de scotch. D'ailleurs, pourquoi c'est illégal? Pourquoi le scotch c'est illégal en fait? Le ruban adhésif et du scotch, hein, donc. Qui voulait le trombone, c'était Jackson. Bon.
Tu veux bien te peigner, mais mes cheveux sont très bien en pique, excusez-moi. Ou en bordel, ça dépend. Regardez devant vos bons, ils sont où les dealers? Alors, John. Oui, il est neutre, donc. Daniel et William, mais. Attends, après tout ce que j'ai fait aujourd'hui, vous me fouillez pas? Non, mais. Vous êtes trop sympa, les mecs. Ah, du bois. Tomber, ok. Même un autre type de chose. Oh. Pas ça, s'il vous plaît. J'ai pas filé le trombone à Jackson, bon bah je lui filerai. Du coup, je vais arrêter l'épisode ici. Une petite demi-heure, ça va. Donc, la prochaine fois, il me faudra récupérer deux fois du scotch et une lime aussi. Donc, scotch et lime. Deux scotch et une lime. Pour pouvoir me faire une bonne pelle. Réunir de quoi commencer une pioche. Et éventuellement, si j'ai le temps, essayer de commencer à piocher le mur. Histoire de pouvoir me garantir l'accès. Donc si l'épisode vous a plu, eh bien n'oubliez pas les classiques, pouce bleu, partage, commentaire et abonnement si ce n'est pas fait pour ne pas manquer la suite. Et d'ici là, je vous dis eh bien à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye 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 bye, ciao.